Et coucou! Coucou et re à ceux qui étaient là ce matin, re à Xeli, c'est coucou à Sender et à ceux qui sont là en lurk. J'espère que vous allez bien. Bon, on reprend la suite de ce qu'on a fait hier et j'espère qu'on pourra tester ça en bonne et due forme aujourd'hui. Putain, cet opening de l'amour, pour ceux qui ont vu Code Geass, animé que je vais faire découvrir à Tita. Tellement il était bien. Ouais, c'est un remix. Du coup. Ah, super, ça. Bien pris le lead. On était où? Ah non, mais c'est un vieux remix dégueulasse. Vas-y, je veux l'original. Salut, Lens Banner, comment vas-tu? Cool Cat in the House. Bob et Patrick, je suis un de papy. Voilà, la fin ce matin, tu as pu finir la cabane de pêcheur. Ouais, je l'ai fini et j'ai fait un petit peu de croquis pour la 3D. Mais ouais, elle est finie, faut que je la poste, donc je crois pas qu'il y ait de commande Insta. Je vais faire une commande réseau, je pense que je vais faire... ouais, non. Je vais faire une commande réseau. Je vais faire une commande réseau, comme ça, vous aurez... qui mettra le Twitter, l'Insta... Bah c'est tout en fait. Et comme ça, vous pourrez voir quand il y a une créa qui est terminée. Mais non, je ne l'ai pas encore posté. Ou Link. Ouais, Link, c'est bien aussi. Bon, tu as vu la vidéo? Oui, j'ai vu, c'était rigolo. Donc hier, on a mis en place le fait qu'on pouvait attirer ou repousser avec clic gauche, clic droit. Ok, donc ça marche bien. Du coup, une fois chacun par tour et reset au début du tour. Ouais. J'ai eu une erreur, enfin, je regarde ça. Ah, j'ai eu peur quand t'as parlé de commande réseau. Nmap. Ah ouais, tiens, merci, Yassik. Oh, j'ai pas rempli ma gourde. Je reviens. Hop là, je suis radis. J'adore beaucoup trop cette commande. D'accord. Du coup. Je crois qu'il y avait déjà un truc dans Titi. Turn done. Turn order. Non, j'avais pas mis. De quoi? Attention. Là, je suis sur des requests en Python sur des API de comptabilité. Fun, 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 c'est clair sur le. Rien qu'au nom, ça a l'air fun. Allez, Spotify. Unity là.
Alors, pas besoin d'ailleurs. Mettre ça en sérialisé. Hop. Non, faire voir Tipix. Ah, j'avais déjà un truc. Ah oui, non, sinon j'avais. Don color. Un truc grisé, ouais, comme ça. Hop là. L'autre c'est white. Ok, très bien. Marque. Oula. Mark turn. Je ne sais pas écrire. Mark turn as done. Et c'est entity sprite.color. Ouais, c'est ça. Color.white, ouais. T'as l'air divisif par rapport à une map typique. Je sais pas ce que c'est. En gros, tu scannes les ports ouverts d'un serveur et faire sans autorisation. D'accord. C'est encore Quest, le logiciel de création d'aventures textuelles. C'est parfois étrange comment c'est programmé. Par exemple, si je mets 0 à une variable, je considère que ce n'est pas un int, mais un booléen. C'est parce qu'il faut penser à initialiser avant, sûrement. Et c'est parce qu'un booléen, c'est 0 ou 1 en fait. Donc c'est-à-dire que c'est un booléen faux. C'est ça? Un booléen false. Alors, question bête, mon fils totalement autodidacte. Serialize, c'est pour avoir le champ dans l'inspecteur. Tu vois, j'ai mis done color dans l'inspecteur. Donc du coup il est ici, je peux le modifier. Mais ça reste quand même un champ privé que je ne peux pas accéder depuis l'extérieur de la classe. Bah en public, oui, sauf que tu pouvais accéder depuis une autre classe. C'est pas grave. Tu auras appris quelque chose comme ça. Voilà, donc. Tac. Ah, c'est du Dépêche Mode? On dirait un vieux truc. C'est un nouveau Dépêche Mode, mais on dirait un vieux truc. Ah oui, non, si, c'est ça, c'est un remix d'un vieux tube des années 80. J'aime bien Dépêche Mode, mais là, ça me dit rien. Je suis dans mes radars des sorties, donc je sais pas ce qui va me sortir. On va avoir des surprises. Rien que pour cette info, ma journée est complète. Salut Loud, comment vas-tu? Vous n'allez pas voir la musique indienne? Ben, ça va bien. J'ai une petite douleur là, je sais pas pourquoi. Genre comme s'il y avait un ganglion gonflé, mais. Écoute, on attend que ça passe. Anmous left up. Bah, j'aime pas du tout. Et c'est point turn done. As crystal. Marcast.
Hop. Roi-Shizu. En fait, concrètement, si je fais value égale value plus 1, il y a la carotte à la valeur de 1. Si je mets value égale 1. Pourquoi tu écrirais deux fois value en fait? C'est parce que tu as oublié un double égal? C'est parce que tu as. Enfin, je sais pas comment fonctionne ton truc là, Unspanner, mais regarde, je te l'écris là. Si tu veux. Alors déjà, c'est bizarre que tu aies deux fois value. En fait, ta phrase là, ton value égale 1, c'est bizarre que tu utilises deux fois value. Je ne peux résister. Pourquoi tu mettrais value égale value? Ah, value 1, value 2? Bah, value. Si je fais, tu vois, si je fais value. Hop, si je fais value 2. Et si je fais value égale value 2 égale true. Juste un égal, c'est une attribution. C'est parce que t'as pas mis un double égal. Si tu mets un double égal, il va comprendre que value c'est un booléen. Donc si tu mets juste un égal, c'est-à-dire que tu attribues value 1 à value 2. Donc c'est normal qu'il te mette un int. Je pense que quest transforme un int à cause de la présence du plus. Sinon c'est un booléen tant que c'est 0. Bah moi surtout parce qu'il a mis un seul égal, hein. J'aime pas du tout non plus. Ok, alors voyons voir. Oui. Sur 94. Current entity as crystal. Pourquoi ce serait false? On fait voir, as crystal. Bah ouais. Pourquoi c'est false? Ah putain, j'ai pas vu le deselect. Hop. J'avais pas vu le deselect. J'ai envoyé une capture sur le Discord pour montrer à quoi ça ressemble. Alors. À quoi ça ressemble pour initialiser, modifier des variables sur quest. Cette variable clockHour égale expression clockHour plus 1. Cette variable clockMinute égale. Expression 0. Et il te dit que clock minute c'est un booléen. Hein. D'accord, je comprends mieux. D'accord, effectivement, c'est curieux. En C, si tu fais var 2 égale 2, la parenthèse renvoie true si l'attribution a fonctionné. Oui, ça c'est encore autre chose. Voilà, il est marqué comme fait. Il est plus sélectionnable. Ok, il faut que je fasse le reset au début.
Oh, j'avais pas pensé à ça, mais hop, faire l'annulation aussi. Annuler l'action. De pousser à tirer. New turn. For each. J'ai rien pour les... Non, j'ai rien. Ça a l'air étrange. Je pense que c'est partout pareil ou presque. T'as des cas drôles quand ça arrive dans un if. J'aime beaucoup le système avec juste clic gauche et clic droit. Là, ça rend les actions fluides et rapides. Ouais, moi aussi. Sans vouloir me lancer de fleurs, ouais, je pense que c'est beaucoup plus intuitif. Je pense que c'est pas forcément très bien. Enfin, lui est peut-être pas forcément ultra clair. Elle ressort peut-être pas assez, mais il y a moyen de faire mieux ça. Donc, je suis pas trop de soucis. Ah, mais ça m'arrive des fois d'oublier double égal. T'es là, mais tu fais. Putain, je comprends R. Pourquoi tu rentres dedans? Avoir un entity death. Voilà. Cristal Mark Tarnazandon. J'aime bien Nothing But Thieves. Chaque fois que je tombe dessus, hein, je me dis que ça s'écoute vachement bien. Hop là. Ah, ça a l'air limité ton outil. Hein. Surtout si tu peux pas. Ouais, c'est bizarre. C'est peut-être du Python derrière Thunder, hein, c'est peut-être pour ça. Tu sais en quoi c'est fait, Lion's Banner, derrière ton truc? Ouais, voilà, ça l'éteint. Au revoir. Python, faut être tellement carré dans son code à cause de la malléabilité du langage. Ok. Une fois chacun par tour, reset au début du tour. Ah, j'annule tout trade.
Feedback de cristal sélectionné, est-ce que je le change ça? Python est super pour faire des prototypes. Tu veux facilement faire ce que tu veux, arriver plus facilement. Seulement, est-ce que tu veux? Pas d'où il sort le warning là. Je sais pas. Ok. Du coup, ce que je voulais voir, moi. Comment je pourrais faire ça? Je vais essayer un truc. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec le système de particules. J'aime beaucoup les cristaux qui s'assombrissent. Ouais, c'est pour montrer que leur tour est fait. Bonjour les Wolfilu. Je te souhaite un merveilleux live grâce au mouvement des petits streamers. Je fais un live. Grâce au mouvement des petits streamers, je fais un live cet après-midi pour en découvrir un maximum. Je passe sur leur stream pour donner de la force et du grand soutien. Je suis là pour faire des gros bisous. Bon live à toi. Je te remercie à la place. Je remercie à ta place les gens qui te regardent. D'accord, bah merci beaucoup. Bisous. C'est mignon. Tu fais le tour des petits streamers comme ça. C'était un truc à dire pour mon stream. Bonjour. D'ailleurs, j'ai pas spécialement de truc à dire. On fait du game dev ici. Comme ça peut peut-être se voir. Alors là, par contre, les particules, elles sont énormes! Start size. Radius 0,5, voilà. Et merci pour ton follow, c'est Big Wolfie. C'est quoi ton jeu du coup? Actuellement, on travaille sur un jeu de type. Enfin, je travaille sur un type de jeu tactical qui se veut dans la veine d'Into the Breach. Donc voilà. Et là, je suis en train d'explorer une piste qui avait l'air prometteuse parce que j'ai pas encore trouvé de boucle gameplay satisfaisante, compréhensible et pas trop complexe. Donc salut les Wolfilus!
Et là, j'essaie de faire, de mettre quelques particules. J'ai Twitch qui est en PLS. Ça va, le stream a pas coupé. On est toujours là. Te revoilà. Te revois un coucou. Pour le langage, c'est pas trop, une chose est sûre, la structure est retranscrite en XML. D'accord. Tout va bien pour l'instant. Peut-on passer à la musique suivante? Ah, c'est Ed Sheeran avec Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon, c'est cool. Le mélange des deux, c'est chouette. Hein. Non, ça marche bien les deux ensemble, je trouve. Une allergie. Lifetime. Elles vont tellement vite les particules. Ah voilà. Random between two constants. Et Chiran un peu. Ça a été ta sonnerie. Ah, ça marche aussi. Un réveil peut-être. Moi j'ai mis un thé un peu. Je viens de l'heure que dans un coin. Bon stream à tous. Salut Fiber. J'avais une question pour toi et j'ai oublié. Donc ça me reviendra peut-être un jour. Sais plus pourquoi, j'ai pensé à toi hier. Je sais plus si j'ai pensé à toi par rapport à un truc ou si j'avais une question. Ça reviendra. Du coup. Je suis pas du tout à l'aise, hein, comme vous pouvez le voir, avec le système de particules d'Unity. Color overtime. Je crois que c'est ça. Hein. Pour changer l'alpha. Ah oui, c'est là. Hop, hop, alpha 0. Voilà, comme ça, ils disparaissent au fur et à mesure. Ça, c'est pour indiquer celle qui sera sélectionnée. Ah bah, n'hésite pas à me demander sur Discord quand ça te revient. Exactement. Ah non, mais je suis le champion pour ça. Malheureusement, je dois partir. J'essaie de soutenir un maximum de streamers, mais si parfois certains streamers pensent à une pub, je suis dégoûté. Je veux seulement donner du cœur. Bon, live et bisous. Bah, merci à toi d'être passé. Et puis, à tantôt. Hein. Repasse quand tu veux. Au début, je mettais une musique que j'aimais en réveil. Je me suis mis à détester. Ouais, c'est la pire idée, ça. Maintenant, c'est bon, j'ai réappris à l'aimer, mais pendant longtemps, ça a été Brother Swing de Caravan Palace. Je pouvais plus l'entendre. Pendant des années, j'ai pu l'entendre. Je me serais pendu, ma sonnerie, c'est Pokémon, et mon réveil, la famille Adams. C'est pas mal, la famille Adams, comme réveil. Ça peut vite être interprété comme si tu nourrissais ton stream avec le contenu des autres, j'avoue, ça me fait bizarre. Il est juste passé, il n'y a pas de souci avec ça hein, pour l'instant. Je sais que par exemple, E.T., en début de stream, il fait ça. Il fait le tour des streamers qui suivent. Et comme ça, il fait de la reco. Il base pas son live sur que regarder les autres. C'est vrai que ça serait bizarre par contre. Bip bip bip. Ah ouais, je pense que c'est pas mal la famille Adams. Est-ce que j'ai des particules pixels qui traînent quelque part? Je dois en avoir. Game dev ressources particles basic color ah mais c'est pas du pixel art. Après, je peux garder celle par défaut de mince de Unity. Shape cone sphère donut mesh sprite. Oh, j'aime pas du tout. Ah, c'est du set valeur. Pourtant, j'aime bien, mais là non.
Ah non, c'est pas une sphère que je veux, moi. C'est un cercle. C'est un cercle, voilà. C'est un cercle. J'aurais qu'elles, voilà, qu'elles partent toutes d'un cercle pour leur point de départ, mais qu'ensuite ça soit dans l'émission. Rate over time, non, c'est pas ça. Et que la direction, ça soit vers le haut, par contre. Là, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Avec des blocs de script, un truc rigolo dans Quest, il y a un bloc de script qui permet d'appeler une fonction, mais seulement si elle ne retourne rien. Pour récupérer la valeur retournée, il faut utiliser en tant qu'expression dans l'appeler. Ah! Oui, je vois. Tu veux faire quoi avec des particules? Juste des petites particules qui montent, hein, pour l'instant. Salut Chromette. Ça va bien et toi? Mon père a mis du Rihanna au réveil. Lui adorait, moi je ne supportais plus la musique. Ouais, mais c'est ça. Non, mais faut pas mettre des musiques qu'on aime en réveil. Hein. C'est la fausse bonne idée. Où est-ce que c'est? Force over lifetime. External force. Vous vous souvenez le moment où j'ai dit il y a quelques mois, tiens, il faudrait que je me forme sur le particule système. Ben voilà. Start speed, cela c'est juste la vitesse, mais pas forcément le sens. Si je fais ça. Ok, si je fais ça. Partout du centre. Ah, en fait, non. Elle part tout du centre. Non, ça me plaît pas en fait. Non, c'est. Je veux pas qu'elle parte tout du centre finalement. Le cône, c'était pas mal. Ah, c'est peut-être ça, si je mets à zéro. Non, là, elles partent toutes. Y a pas de random entre les deux, en fait. Et le spread, là, c'est quoi? Ok. Je crois que tu peux changer la gravité des particules. Si elles partent vers le bas, tu peux les faire remonter. Ouais, justement, mais là, j'aimerais savoir où est-ce qu'il est le. Tu vois, il y a un truc direction et tout, donc il y a moyen de changer ça. Mais j'aimerais bien changer l'angle par défaut. Là, ça part. Je voudrais que le cercle, ça soit la zone de départ. Voilà, qu'elle spawn quelque part dans ce cercle et qu'ensuite elle parte vers le haut. Voilà, pour l'instant, mon besoin, c'est ça. Je dis pour l'instant parce que ça peut changer. Les particules, c'est particulier. Un gravity modifier. Oui, mais d'abord, je veux qu'elle parte dans la direction de base. Si je change effectivement la gravité, tu vois, il y en a quand même certaines qui partent vers le haut. C'est pas de la gravité que je veux mettre. C'est que je veux que ça soit. Ça soit constant vers le haut. Regarde le start post et ensuite la direction que tu mets en haut. Start post. Putain, et puis pourquoi c'est écrit aussi petit? Non, non, Axelis, la gravité c'est en un second temps. Ça c'est pour la forme. Non, c'est différent. La gravité, c'est quelque chose que tu appliques après. Par exemple, si je disais que ça part tout vers la droite, bon bah ça irait vers la droite. Et après seulement je mets une gravité pour que ça fasse comme ça, tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le truc de base, la direction de base. Tu vois ce que je veux dire, hein?
Ouais, non, là. Là, ça marche bien avec le rectangle. Ça le fait bien avec le rectangle. Mais le cercle, ça spawn que du... Attends. Non, ça spawn pas que du centre du cercle, en fait. Celle-là, elle a spawné ici. Celle-là, elle est du centre, du centre. Ah non, 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 je dis une connerie. Ça spawn bien de tout. Donc ça, c'est bon. Maintenant, j'aimerais bien qu'elles partent toutes vers le haut, par contre. Sur téléphone, je vois rien. T'as un bandeau émission qui peut te dérouler. Émission, c'est pour savoir, par exemple, combien de particules tu veux par seconde, ou si tu veux des bursts. C'est encore autre chose. Ah, il est pas très, il est pas très user friendly la première fois, le truc de particules. C'est fou ça que ça soit pas deux trucs séparés, genre la shape d'émission. Et puis ensuite, la direction que prennent les particules. Il y avait un truc qui indique l'angle en degrés. Bah c'est ça, mais... Velocity over lifetime. Non, ça se base sur la vélocité de... C'est chiant. Allez voir la doc. Ouais, mais la doc, elle est loin d'être fun. Shape. Shape module. Nanana, API. De quoi tu me parles, Ions Banner? Cone, box, spread, render, circle. Uniform, particular from the center. Radius, radius fitness, arc. Spread control the discrete interval around the arc. J'ai pas une scie sous la main, sinon je l'aurais trouvé, je l'ai utilisé dans le Ruby's Adventure. Position. Apply an offset to the emitter. Oh, non, c'est. Tu changes que le truc qui émet.
Voilà, là j'ai rajouté 1. Là j'ai rajouté 1 en vitesse. En vitesse des particules. Mais le problème c'est que c'est 1 par rapport déjà à leur vitesse de base qui est définie, je ne sais pas où. C'est ça qui m'embête. Où est-ce qu'elle est définie cette. Enfin, pas cette vitesse, mais cet angle de base par rapport au cercle. Moi je veux juste que ça spawn sur le cercle. Mais ensuite que je décide. Je décide de sa. De sa. De, comment dire, de là où ça part, quoi. Non. Malheureusement, non, c'est petit pour vous, c'est petit pour moi. Randomize direction. Ben particle to de random direction. C'est déjà complètement random. Ah oui, c'est d'accord, ça part dans tous les sens. Je veux pas que ça parte du centre, quoi, c'est. C'est fou ça? Ou alors c'est pas Circle qu'il faut que je prenne? Genre je prends Cône. Voilà. Bon bah à la limite, Cône, ça irait très bien. Si on regarde le Cône, c'est un truc comme ça vu du dessus. Le cône, voilà. Il n'y a pas de vitesse de base et ça spawn à l'intérieur d'un cercle. Use velocity over lifetime module on one axis and use local speed instead of start speed. Ah, si je reviens sur le cercle. Velocity over lifetime. On one axis. And use local space instead. Ah, start speed est égal à 0. Et là ensuite, tu mets ce que tu veux. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, c'est cool. Ce start speed là, c'est. En fait, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi t'as le start speed là et t'as le velocity over lifetime un peu plus loin. Ok, merci, merci Axelis. C'est. Bon. Une bizarrerie. En gros, c'est comme si tu disais. J'instancie ma particule. Il y a une vitesse de base. Ok. Et ensuite seulement tu peux rajouter ta vitesse. T'es là, mais non, tu mets ta vitesse tout court. Hein. Tu t'emmerdes pas à faire des trucs différents. Bon, Armin van Buuren, non merci. Du coup, ouais, ça fera le job. Ça fera le job. D'ailleurs, ça me fait penser. Renderer. Starting layer. Starting layer. Top particles. Recolis. C'est quoi le but et le souci? Oh, j'essaie de me dépatouiller avec le système de particules Unity que je ne connais pas beaucoup et qu'il faudrait que je commence à me mettre un petit peu. Est-ce que l'ami Kini il a des particules qui sont pas du particule 2D? Particles. Particle pack. J'aurais bien aimé qu'elle soit en pixel art, mais en vrai je m'en fous. Ah, il a une logique particulière. Thunder l'avait déjà fait. Lens Banner l'avait déjà fait. Ça fonctionne. Ah, j'ai pas vu ton message là. Ça fonctionne pas comme un cercle trigonométrique. Je sais pas du tout. Si c'était un cercle trigonométrique, ça serait en radian en plus. Eh oui, Koi. Je crois que j'ai déjà des particules dans ce cas-là.
Basique. C'est pas des particules, c'est des formes, ça. Complexe. Oh, c'est moins complexe. Flair. Ah oui. C'est pas mal ça. Alors, on va mettre un sous-dossier. Hop. Exacticall client. Asset R. Particles. On va en mettre plusieurs en random. C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a une qui s'appelle FGFZFGFG. Je pense que c'est une erreur de frappe. Hop. Et du coup, ici. Je sais plus où c'est. Sais plus comment on le fait. Texture sheet animation, je crois que c'est là-dedans. Sprite. Et là, on met les sprites. Je crois que ça les joue. Ça joue un sprite après l'autre. Non? En tout cas, j'en ai qu'un seul là. Tu uses multiple sprites, enable the sprite packer mode in editor project setting and create a texture atlas. What? Bruh. Coucou Ormac! Oh. Le Ormac en lurk. Comment il va? Et là, tu découvres qu'un cerf possède des angles. Une infinité! Pas dans un ordinateur. Encore un qui flexe ses azimuts. Bah il peut, hein. Bien et toi, ça va bien. Ah, c'est vraiment c'est cool qu'on puisse réduire la vitesse. Random sprite particle system unity. J'avais vu comment faire, mais plutôt que de rechercher. Oh la vache, attends mais ça... ouais, mais 2011. J'adore retomber sur des posts de 2011 quoi, y a que avec Unity que t'as cette dinguerie. Sprite Packer Mode is the editor project setting. Alors, project setting. Sprite Packer. Sprite Packer mode. Ah, faites un backup de votre projet avant de switcher. Oh, ça a l'air. Ça met en confiance quoi. Necroposting, exactement. Vous remarquez que pour un carré en pixel art, si vous tracez une diagonale, vous obtenez le même nombre de pixels que si vous avez tracé la horizontale. Ouais, la verticale. J'ai jamais fait le rapprochement, j'avoue. C'est incroyable, il n'y a pas moyen de mettre tirer au hasard une particule. Particle system using single random sprite from sprite sheet. Avoir une parmi différents sprites que à chaque fois que la
la, comment dire, la particule est créée, a été mise, ça tire un sprite aléatoire, tout simplement. Enfin, c'est ultra bateau, quoi. Oui, c'est ce que je cherche. Texture sheet animation, j'avais vu ça, j'avais vu que c'était là-dedans. Mais peut-être que ça a changé depuis. Ça a peut-être changé depuis. Pourquoi il est tout nul leur système? Comment t'organises-tu pour ton projet, planning, etc.? Alors non, pour l'instant, j'ai pas de planning. J'ai un petit codex qui me permet de faire la gestion des tâches. Comme ça, je sais qu'est-ce que je dois faire dans quel ordre, à peu près. Mais planning, pour l'instant, c'est en... Non, j'avoue, j'ai pas de planning. T'as une petite flèche à côté du sprite. Bah non. Ou alors c'est pas sprite. Ah, c'est peut-être gris. Hein. Non, attends. Animation. En fait, je veux pas faire une animation. En fait, je suis dans Texture Sheet Animation et dans mes souvenirs, c'était ça qu'ils utilisaient. Mais peut-être que c'est pas dedans au final, hein. Ça a peut-être changé maintenant. Ça a peut-être changé en fait. Donc non, non, pour l'instant, c'est un petit peu, encore un petit peu à l'arrache hors Mac. Vu que j'ai pas de deadline pour l'instant et tout. Ouais, mais c'est un seul sprite. Dans Ruby's Adventure, c'est un seul sprite de... Il y a une seule image pour la fumée. Il n'y en a pas plusieurs. Ah ouais? Alors, on va voir. Je vais regarder ça. Dialogue. Non, particule. Picking random sprite. Alors vas-y que je rigole. Texture sheet animation. Mode to sprites, ouais. Apparemment, ça marche plus leur truc en fait. Entre 0 et 2. Frame overtime. Non mais c'est... Je peux pas. Moi, je peux pas éditer. Allez, là. Delete key, ok. Pardon, j'ai pas eu le temps de mieux. Ouais, donc ça me fait un peu peur parce que... Merci. Ça me fait un peu peur parce qu'ils me disent qu'il faut que j'active un truc. Sauf que Sprite Atlas V2 supporte cache serveur, blablabla. Faut que je reboot du coup. Vous êtes mignon. Je
terre ici pour quelques temps, c'est-à-dire je reste connecté, mais je me fais discret en écrivant plus de messages, mais sans plus récompense Twitch. En bref, je lurk. Ça marche. On le dira pas. Alors, j'étais dans Crystal, Particle System. Ah, il veut toujours que je le fasse. All sprites must share the same texture atlas. Oh, les relous. Oh, faut que je fasse. Also, check that all your sprites fit into one texture of the sprite atlas. Oh, les relous. Il est où mon autre truc? C'est des images de quelle taille? Propriété. 512 par 512. Ah ouais, c'est de la méga particule. Je crois que je vais faire les miennes. C'est quoi ça? Oh, ça a l'air du Pokémon. Ouais, c'est ça, c'est. Witch Adebi qui a fait. J'ai fait une cover. On va faire 64 par 64 et du 8 par 8. Background. Ok. Ah, 255 fois 0,75, 192. Moi, je pourrais même mettre 255 divisé par 2, 128. Voilà, petite particule. Une 4. Voilà, petite particule. Non, le machin, un truc Atlas, je sais pas. Ah, deux fois de suite. Ah, à toutes, Armac. À toutes, Axelis. Bon rendez-vous, exactement. Peut-être à plus tard. Une version en un peu plus grosse. Et puis je vais faire la version ligne. Hop. C'est dommage qu'on ait toujours pas de système de favoris par contre hein, dans la sprite pour enregistrer des dossiers par défaut. Hop. Ok.
Et là, ça serait... Ah, mince. Multiple. Et là, ça serait... J'avais dit combien? J'avais dit 8 par 8. Slice. Oula. Non. Voilà. Ok. Comment ça fait quelque chose? Du coup, la vitesse là, elle est trop constante. Entre 0 et 1. Est-ce qu'il y a moyen de les colorer? Non, je crois qu'il y a un truc. Color over lifetime. Qu'est-ce que... Pourquoi il ne veut pas mettre une icône de pipette quand je... Je pipette un truc justement. Ok. Entre 0 et 255. Ok. Vroom. Tu le vois plus. T'entends, il y en a une qui va assez peu vite pour que tu puisses la voir. Oui, d'ailleurs. 0,3, ouais, c'est bien. Vas-y, ça ressemble à quoi? Voilà, elles vont toutes se mettre à briller. Ah, c'est cool. C'est cool, mais elles sont beaucoup trop petites. Elles sont beaucoup trop petites. Start size. Elles sont beaucoup trop grosses. Thunder. On est entre gens bien élevés là. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un start color. Je pense que je virerai la deuxième. En mettre qu'une seule. Keep calme. Oh, keep calme. Oh. Oh. Oh, c'est validé ça. Avec la typo, la couleur et tout. Enfin, la typo, je suis pas sûr, mais la couleur. Voilà, les petites particules. La typo aussi est le plus approchant en Liban. Ouais. Looping, oui, mais par contre, j'ai moyen de faire ça parce qu'elle tourne pas depuis le début. Je crois qu'il y a un truc. Pré-warm, non. Stop action. Ça fait rien, effectivement. Simulation space, c'est world, c'est-à-dire que si je les déplace, si je déplace le parent, les particules ne bougent pas avec. Non, je vois pas de. Tiens, rotation.
Rotation over lifetime. Putain, je fais de la rotation de pixels, c'est cracra. Non, j'arrive pas à voir. Il y a moyen de mettre en sorte qu'il ne démarre pas. Parce que là, si je le coupe, ça le coupe net, quoi. Je vais regarder sur Unity. Tu veux quoi? Faire en sorte que le particule système se lance pas dès le début. Typique, c'est le pixel quantique. J'ai pas la ref. Exactement. Calme est la première ville mise à part Minecraft que tu rencontres. Unity particule système start stop. Tu as un coche vers le haut, un awake. Ah, j'ai pas vu. Ah, play on awake. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Parfait. Voilà, c'est ce qu'il me fallait. Ah, c'est ça, exactement. Bah, je l'ai pas vu, tu vois. Mais t'as vu, c'est écrit tout petit. Il y a un autre système de particules, mais je crois qu'il n'est pas encore utilisable avec, avec Unity 2D. Mais merci beaucoup. Du coup, ça y a l'asphalte particule système. Selected particles. Play. Play all child. Particule système, d'accord. Si je deviens streamer, je ferai un émote avec mon chat avec la photo sur le Discord. La photo sur le Discord? Laquelle? T'avais mis une photo de ton chat? Ah oui, sur tes jambes, je crois. Ah oui! Avec les lunettes? J'avoue, j'avoue, elle marche trop bien. Du coup, Select Entity, est-ce que j'ai une callback ou un truc? Non. Là, je vous ai dit que j'avais le ganglion. Enfin, j'ai l'impression d'avoir le ganglion un peu enflé qui me faisait mal. Je commence à me sentir vaseux, j'espère que j'ai pas chopé un truc. Putain, allez, je vois personne, ça me ferait chier. Une chic. Une chic. Inspecteur. Oh bah ça me ferait encore plus chier, tiens. Ça fait 2 ans que je l'esquive, c'est pas aujourd'hui que j'ai envie de le choper. C'est sympa pour toi de dire que tu veux personne. On. Select. On and select. Select.invoke. Et pareil ici. CurateEntity.onUnselect.invoke. Voilà. Du coup, ici, je peux faire unselect.addListener.
Unselect. Stop. Ok. Ça réserve à ma famille pour une ganglion maxillaire qui part en inflation. Ah ouais? Ah bah c'est peut-être ça. Mais ça m'a fait... J'ai l'impression que c'est un petit peu trop régulier parce que j'ai eu la même chose il y a le mois dernier, mais sans être malade. J'ai juste eu pendant quelques jours une petite douleur comme si c'était enflé. C'est passé. Et hop. Ah, je crois qu'on a fait le tour de la playlist. On a fait le tour de la playlist. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Acheter cet album que j'aurais pas écouté. Pipa pipa pou. Ah ouais, tu as été bien. Go dentiste. C'est même assez proche. Ah ouais? Ah non. Ouais, du coup, ça arrête bien les particules. Bon, par contre, c'est un peu gentil en termes de particules. Ah, c'est dommage, les couleurs là. Je puisse pas mettre de blend mode. Parce que, du coup, ça fait tout est orangé. Parce que là, si je faisais ça. Non. Shift N. Et là, je mets en overlay. Ah, le blanc reste blanc. Hard light. Ah, sur le blanc, c'est compliqué, tiens. J'aimerais bien en mettre un peu plus. Du coup, c'est ici. Hop, un truc comme ça. Normalement, tu peux random la couleur de départ. Ouais, non, c'est pas la couleur qui me dérange. C'est que, vu que c'est un sprite blanc, la couleur, elle se fait blanche partout. J'aimerais bien que le centre soit très clair et que le reste soit un peu plus orangé. Genre comme si le milieu était très brillant et que c'est que les... un peu timide hein, quand même. J'ai passé trop de temps sur un truc mineur quoi. Putain, j'ai pas l'impression qu'elle soit plus grosse. Je vais voir si je mets 1. Hein? J'ai l'impression qu'elle grossisse pas ici. Ah ouais, non, non, c'est... Ok. Ça save le préfab. Ouais, ça save. Je fais contrôler tout le temps, donc ça devrait être bon. Mais effectivement. Bon rappel.
Je vais laisser blanc. Un truc un peu plus comme ça. Le fait de le mettre en orange. Je vais plutôt faire une variation de celle-ci. Ouais, merde, c'est l'inverse. Non, si, c'est ça. Hop, et comme ça je peux le remplacer. Ah oui, il faut que je les réexporte. Il ne l'a pas exporté. Ah, laisse-moi deviner. Enregistrer un pixel particle quelque part. PNG. Ah oui, d'accord. Si je rouvre pas le truc, il me l'enregistre à l'endroit où est le sprite. Slice, apply, particle system. Bon, je suis pas un expert pour faire des particules, hein. La question con qui peut tout sauver. Voilà, ça se voit un peu mieux. Ah, je crois savoir où c'est. J'avais pas fait une fonction pour savoir si c'était sur la même ligne. Or in the same line, ouais. Node.coordinate. Hop là. Shiny. Ouais, bon après voilà, c'est du temporaire. C'est juste que je voulais commencer à mettre un petit peu des particules, enfin mettre un peu les mains dedans.
Ouais, c'est mieux. Ok. Ouais, voilà. Et par exemple, si je fais ça, si je fais ça et clic droit, ça va le déplacer, mais les particules vont rester au même endroit. Voilà. Non, il y a de bons trucs aussi sur le particule système d'Unity. C'est juste qu'il est un peu austère quand tu connais rien. Pour pouvoir faire ce que tu veux. Ok, super. Donc ça, c'est bon. J'ai la tête comme une pastèque, c'est terrible. Hop. Les archers tirent. Les archers ennemis tirent en ligne droite. Ah ouais, donc ça va être potentiellement un gros morceau. Vous savez quoi? Petite pause. Je vais faire une petite pause. Et puis on se retrouve dans 5 minutes. A de suite, les petits loups. Et pas trop loin, je reviens vite. Bisous. Alors, où que je n'en sais. Ah oui, les archers tirent en ligne droite. Ok. Ici, hop, distance. Actuellement, ce qui se passe. Quand je l'ai vu dans Rubik's Adventure, je me suis dit, oh merde, de quoi tu parles? Là, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il tire en lob. C'est-à-dire que si je le déplace, bah, il tire sur la case derrière. Or, j'aimerais maintenant qu'il tire en ligne droite. C'est-à-dire, ils ont une cible, mais que s'il y en a une qui se met au milieu, c'est elle qui prend le. Qui prend l'aggro, si je puis dire. Le particle système. Ah, bon, oui, il est pas bien méchant. Du coup. Comment on va faire ça? Au niveau des attaques data, ça je peux le faire. Attaque data. Et de l'IA des ennemis. Où est-ce que je. C'est pour désactiver les gizmos. Ah, c'est là. Tu peux pas les activer. Ah, si. Bon, je peux le laisser, tu me diras, il me gêne pas pour l'instant. Trop d'informations, tu as la formation. La différence entre que tu puisses rajouter les menus plutôt que de tous les mettre. Ouais. Mais je crois que c'était ça à un moment donné. Je crois que t'as ajouté justement les sous-menus. J'ai un vague souvenir, un truc comme ça. Distance attaque. Is ranged. Alors j'avais déjà fait un truc genre. Is ranged. Comment ça se ferait? Parce que là actuellement, je me déplace. Et je check sur la ligne. Alors mon petit calepin. Enfin mon petit calepin. Il faudrait que ça soit du coup. Là actuellement, je check partout où je peux aller. Chaque case dans les 6 directions à toutes les distances. Il faudrait plutôt que. Ah oui, tiens, j'ai toujours pas retrouvé mon crayon d'ailleurs. C'est terrible ça. Ah si, je sais où il est. Je reviens.
il est là. Je l'ai pris hier soir. Je l'ai pris hier soir. Avant-hier soir. C'est-à-dire, j'en ai pas eu besoin hier. J'y tiens mon crayon. Et aussi écrire plus gros. Ils pensent pas ceux qui regardent des lives sur téléphone. Exactement. Ça, ça dit. Je lui rendrai après. Alors. Pour chaque. Cellule. Atteignable. Est-ce qu'ils auraient une portée maximum du coup? Portée max, portée min. Portée max, portée min. Du coup, pour chaque cellule atteignable, dans toutes les directions. On check dans toutes les directions. En fait, ce que je fais là, c'est que je pose un petit peu l'algorithme sur papier. Avant de le poser en code, en fait. J'ai toujours fonctionné comme ça et en général, je vais bien plus vite pour le coder après. Pour chaque cellule atteignable, je check dans toutes les directions. Et là, je check entre portée min et portée max. Non, plutôt deux portées min à portée max. Je sais pas s'il y en a qui font ça, qui posent sur papier avant d'attaquer sur directement en code. Je parle pour les trucs un petit peu complexes, évidemment. Dès que je fais une ligne de code, je l'écris pas à l'écrit. Moi, ce serait un coup à pas comprendre ce que j'ai écrit. Bon. De portée min à max s'il y a une cible. Ça, c'est pour le côté algo de choix de cible. Et l'autre truc. L'autre truc, c'est de l'afficher. Est-ce que je fais vraiment une portée min et une portée max? Ou s'il tire, il tire dans une direction. Ça serait plus simple. Dans Into the Bridge, ils ont fait ça. Il n'y a pas de tir à portée. Enfin, il n'y a pas une portée de tir, je veux dire. Je tire dans une direction. Pour ceux qui tirent en ligne droite, hein. Ceux qui tirent en lob, effectivement, ils ont une portée et quand ils sont décalés, la case, bah, c'est ce que j'ai actuellement, quoi. Donc ça serait isRange et... C'est quoi ligne droite? Direct line? En une straight line, ok. Straight line pour une droite. Ah, straight, oh, merci, Sander, j'avais pas vu. Qui ne fait pas ça? Bah. Comment ça, Cody? Schéma. Bah, il y a peut-être des gens, tu sais, c'est parfaitement clair dans leur tête et ils ont pas forcément besoin de poser par écrit, hein, je sais pas. Je sais que tous mes copains dev, tous mes collègues dev à AMT ne posaient pas forcément par écrit. J'ai un prof automatiste qui nous rabâchait spécification fonctionnelle.
Alors, dans la tech data, on a un truc. Is straight line. Alors ça, c'est si je peux déjà aller jusqu'à tel. If techdata.isStraightLine. Du coup, on parle de Coq et Dan. Tu vois ce que je pensais pour... Ah oui, je t'ai pas répondu. Attends, je vais relire ce que tu avais écrit. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de... Alors, du coup, pour te répondre, ouais, j'étais assez d'accord avec toi, mais je pense qu'en fait, le mieux, c'est qu'il ne faut pas faire que du dessin numérique, et il faut apprendre à faire aussi du dessin traditionnel, et ne pas user, surabuser de la gomme. Pour effectivement apprendre à... En fait, à mal faire certains traits, et comprendre pourquoi tu les as mal faits. Donc je suis plutôt d'accord avec toi. Mais voilà. C'est effectivement ce que tu avais mis en parenthèse dans un deuxième temps, j'étais assez d'accord avec toi. Ouais. Tu progresses ça plus vite en faisant 10 fois le même dessin, en te rendant compte à chaque fois pourquoi le truc d'avant était moins bien qu'en faisant 10 fois parfaitement chaque trait de ton dessin. Oui, c'est ça. Et ah oui, t'étais pas là, Colis, ce matin, peut-être quand j'en parlais, mais c'est pour ça que j'ai commencé à essayer de me mettre au dessin. C'est justement pour apprendre ces bases qui me manquent, qui me serviront en 3D, en pixel art, en tout. Pour chaque truc, dans toutes les directions. Et là, en fait, une attaque data. Non, une attaque possibility qui va être un peu différente. La méthode boulet. Parce que je suis une femme et que c'est compliqué pour nous de coder. Attends. Oh non, tu vas dire qu'on devrait être capable de tout coder du premier coup. Pourquoi tu fais des erreurs, toi? Quel entretien tu parles, Shizu? T'as eu un entretien sexiste? Alors, targeted tile. Ah, cette attaque possibilité, elle serait différente. Il y aurait un booléen is straight line. Ouh là, la rotation. D'ailleurs, on avait dit qu'on renommerait direction, parce que rotation, ça voulait pas dire grand chose. Direction. Create attack possibility. Ouais, là va falloir que j'en fasse un deuxième en fait. Attack possibility. C'est pas un int, c'est un bool.
create straight line attack possibility. Je vais peut-être pas raconter ici. J'ai fait passer un entretien la semaine dernière. Alors, tu nous as dit que oui, t'as un entretien à passer, mais tu n'avais pas dit comment ça s'était passé. Et enfin, le mec m'a sorti. C'est rare de voir des filles dans la formation, dans l'informatique, je suppose. Suivi peu après d'une remarque comme quoi, pour les femmes, le code, c'est compliqué. Ah ouais! Waouh! Au secours! Tac, tac. Et ouais, non, c'est tout. Pas de range offset. Tu as répondu, on vous recontactera. Il a été pris, je crois que non. Alors après, il était ultra stressé. Et après, il a dit qu'il avait une fille dans sa formation et qu'elle avait dit que le code c'est surtout compliqué pour elle. J'ai invité à ne pas faire de généralité, etc. T'as bien fait. Ah, j'avoue. Jean-Michel doute de rien. Vraiment une local target coordinate. Je peux faire plusieurs. Je l'ai fermé. Je peux faire plusieurs constructeurs. Je peux faire plusieurs constructeurs, ça c'est cool. Un gros coup de pression. Bah non, mais c'est bien, il faut débunker ce genre de comportement, il faut déconstruire les gens, quoi. Ah, c'est vraiment cool ça. Direction. Il s'est liquéfié. J'ai tout transmis à ceux qui décident, on verra bien. Il a aussi des compétences difficilement trouvables, donc peut-être qu'il sera pris. Je pense qu'il y a une marge de progression avec lui, contrairement à une de mes collègues qui trouve que ce n'est pas normal qu'une femme puisse réserver un hôtel seul. What? Comment ça? Une de mes collègues qui trouve que ce n'est pas normal qu'une femme puisse réserver un hôtel seul. Comment ça? Ça marche si je fais ça. Et là.
pas moyen d'avoir le détail. Attends. Comment je pourrais voir ça? Là. La doc. C'est ça, faut que je mette. Ah, c'est super lourd comme. Non, ça marche pas. Non, non, ça veut pas. Bah, tant pis. Si tu restes à un hôtel, tu peux inviter un homme et te tromper ton mari. Elle craint. Ah ouais, c'est. Wow, c'est violent quand même. Ah non, les hommes, c'est pas pareil. Les hommes, ils savent ce qu'ils font, non, mais. Ah, je retourne faire des enfants, elle m'aide. Ah là là. Bah, du coup, ça retourne juste la direction, donc c'est bon. Je crois que j'avais pas un truc. Get direction offset. Get direction. Non. Get offset from direction. Ce serait du coup ça avec n1 qui vaut 0. Ah oui, non. Comment je vais faire ça? Ouais. C'est ouf. Hein. Ah, rotate from. Zéro. Chord cube. Si je fais 1, ça fait 1, 1, 1. Et je dirais ça du coup. Ah, du coup, il est plus simple à faire à ce niveau-là. Ok. Var app égal attack data point create straight line attack possibility. Oula. Et direction, c'est i.
Ah, ouais. C'est pas faux, Thunder. Suis 100% d'accord avec toi. Ah. Donc, AP, blablabla. For J grid.map diameter. Voilà, comme ça, on va jusqu'au fond du terrain. Et là, on check. On check chaque node. Get offset from direction. Manager. Et la direction, bah c'est I. Ah, c'est un petit peu la même chose que ce que j'ai fait pour. Pour ça, we're in the same lane, direction offset. Dans ma puits get node, c'est ça. Offset, voilà. Ah, je suis sur les nerfs. Ah, c'est toi. Ah merde. C'est la vérité ultime en plus à la 4 filles, ça me fait si mal. Je respecte la religion de chacun, mais j'ai pas envie que quelqu'un commence à m'imposer ce que je veux faire, je supporte pas ça. No, 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 no. Quand t'écris non, 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 comme ça, je vois le chat qui fait non. Et ça, du coup, c'est pourquoi il râle? Voilà. Et donc là, je vais y arriver, hein. If E. C'est exactement ça. Var E égale get entity at current node. Je pourrais faire ça en fait. Si il est crystal AP white net coordinate. Et on break. Et voilà. Mais
Ok, bon, bah on va voir ce que ça donne. Sachant que j'ai pas fait de feedback visuel. East straight line. Go. Ah. 67. Comment que cette note peut être égale à 0? Cube to offset. Salut Sazumilou, comment vas-tu? Oui, je le fasse là. Hop. Moins 1. Oh, là je suis où? Moins 1, moins 4. Oui, mais c'est chiant là, j'ai pas... Putain, c'est relou. Ah. J'ai même pas le survol des à cause du crash, fin de l'erreur. Alors, moins 1, moins 4. Alors pourquoi il me dit qu'il y a rien ici? Grid get node at. Ah, d'ailleurs, attends. I plus cube to offset. Allez, Soon, je les passe avec toi les entretiens chez toi. Attention, ça croise les discussions. Le sexiste. La sexiste, elle est dans la boîte déjà. Un zéro, ok, alors. On me dit que current node est égal à nul. Moins un 4, il est là.
crois que j'ai fait quelques entretiens quand j'étais à MT, mais c'était pour des graphistes, alors du coup je me... C'est juste pour voir si ça a l'air de matcher avec la personne. Ok. Moins 1, moins 4, c'est là. Pourquoi il me dit qu'il n'y a pas de node? Get not current. Non, mais c'est pas égal à nul. Sinon, j'aurais pas le trace. Une 69. Oh, le nœud. Ah ouais. Nul. Mais ça n'a pas de sens. T'as l'air du genre à poser des questions pièges. La personne peut-elle faire le job? Compétence. La personne va-t-elle faire le job? Motivation. La personne va-t-elle s'intégrer à l'équipe? Si t'as pas 2 points sur 3, c'est mort. Je dirais même 3 points sur 3. Enfin, le point 3, c'est le plus important selon moi. Le point 3, c'est mon côté motion twinien qui dit ça, mais l'humain, c'est le plus important. Parce que les compétences techniques, ça s'apprend. Les compétences humaines, c'est plus difficile à changer. Et la motivation, ouais, je dirais 3, 2, 1 dans l'ordre d'importance. Alors que dans un monde, je dirais même dans notre monde actuellement, capitaliste, méritocratique et tout, ça serait 1, 2, 3. Mais que ça se passe bien avec les gens, c'est tellement plus important, je trouve. C'est exactement, c'est ça. Je comprends pas pourquoi current node. Pourquoi moins 1, moins 4? Pourquoi c'est nul? Get node at. Un souci de coordonnées, non, c'est du cubique. L'offset là. Get offset from direction. Et d'ailleurs, pourquoi ça part à gauche? Pourquoi je me pose autant de questions? Current node. D'ailleurs, cette coordinate, je suis pas obligé de le refaire à chaque fois ça. Ils ont le droit de ne pas avoir d'animaux, mais ils doivent aimer mes chats.
Oui, et le point 1 peut être soit oui actuellement compétent, soit oui dans le futur potentiel. C'est exactement ça. J'ai un recruteur qui restait de marbre, c'est ma stratégie pour essayer de détendre l'atmosphère, ça aide pas du tout à rester serein. Oh, tu m'étonnes. Un 0, 0. Moins 2, moins 4. D'accord, ah oui, on a commencé par checker ce point-là. Moins 1, 4. Moins 1, moins 4. Ok, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de node ici? Je ne te comprends pas. Je ne te comprends plus. Tu ne me parles plus. Jamais eu de vrai entretien d'embauche. Ah, ça s'est passé comment, Ormac, toi? T'es sorti de l'école et t'as eu quoi? Un stage qui a enchaîné sur un boulot? Puis ensuite que t'as quitté pour faire ta propre boîte? J'ai bon, j'ai bon. Ah non. Grid get not at. Une coordinate égale quoi? Je vais plutôt dans le point 2. Est-ce que tu vas faire des choses qu'on te demande, même si t'as pas les compétences pour à la base, mais on se comprend. Oui. Oui, les 1 et le 2 sont un peu liés. Mais à chaque fois que je me suis pointé pour un entretien, la même première question c'est tu peux commencer quand? Ah, ok. Ouais, c'est ça d'être une superstar de l'architecture. Pas vraiment. Je sais pas, jamais vu ton travail. Si, une fois, tu m'as montré un exemple de bâtiment, je crois. Eh bien, je piche pas là. Pourquoi dans Current Node? Ensuite, ouais, donc current node. AP, ok, offset. Get offset from direction. Apparemment, ça a l'air d'être bon. De ce que j'en ai vu. Ça, c'est bon, et ensuite. Attends, pourquoi je pars de 0? Non, mais c'est bon, oui, dans tous les cas. Keep to offset. Voilà, donc je pars d'ici, je check toutes les cases et moins 1, moins 4, je suis bien dessus. Soit ils étaient vraiment dans la merde, soit tu es très compétent. Mais non. Faut pas te rabaisser comme ça. Ah, c'est fou ça, je comprends pas ce qu'il déconne. Bah là, t'inquiète pas, t'as pas raté grand-chose parce que j'ai un...
J'ai un bug et je comprends pas pourquoi. Nul, nul, ok. Au moins c'est cohérent, mais. Le bug du vendredi, ouais, on est content. La prétention salariale. Ah ouais, j'avoue. J'étais jeune et que j'avais jamais travaillé. Strictement aucune idée. Je veux dire encore, je trouve que c'est très difficile de se qualifier en euros. Exactement. En plus, on me dit souvent que pareil salaire était censé être un sujet tabou, c'est clair. Ça fait 3 fois que je relis et je vois pas. Le décalage, celle de base. Pourquoi il me dit qu'il n'y a pas de note ici? Ah ouais, la vache, ouais. Je sais pas, moi, 10 000 dollars. Moins 1, 1, moins 4, 4, vas-y. Un moins 4, 4. Ouais, bon, on va dire que c'est bon, hein. Je vois pas pourquoi. Mais dans ce cas-là, pourquoi le reste est conne? En plus, c'est sur la direction de base, donc il n'y a aucune raison. En plus, j'ai l'impression que j'ai donné une réponse basse parce qu'ils ont dit oui direct. Cacher son salaire, c'est faire le jeu des patrons, c'est un peu ça. Est-ce que cette augmentation, elle équivaut à l'inflation? Ah, c'est fou, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça n'a aucun sens. Je suis en train de m'affaisser dans mon fauteuil.
Faut venir avec les chiffres. Mais quel chiffre? Pourquoi il me dit qu'il n'y a pas de buzz à ce niveau-là? Attends. Je vais me faire encore un truc au-dessus. Si j'ai un false, ça n'a aucun sens. Tu parles d'un PC qui crame comme bug? J'y compte, je vais demander le double qui ne tente rien. Ah, j'avoue, ouais. Trou, ok. Move offset. Get direction offset. Ouais. Et dans ce cas-là, la fonction là qui déconnerait. Ah non, il n'y a pas de raison. De toute façon, je le vois bien là. C'est 1-0-0. Ouais, ça me prend la tête, les petits loups. C'est pas censé être 1-0-0. C'est censé y avoir au moins 2-1. Rotate from. Ah bah c'est ça, c'est parce que c'est pas vecteur 3, 1, right, c'est Ah c'est ça, c'est pas right, c'est C'est 1, 0, moins 1 apparemment. J'arrive quand même pas à savoir pourquoi j'avais le bon chiffre, hein, mais bon. Je vais voir, neighbors. 1, 0, moins 1, eh oui, je l'ai mis là. Ok, est-ce que c'est mieux? Ah oui, c'est pas mal. Oui, mais bon, après, le coût de la vie doit être plus cher aussi, Thunder, chez toi. En termes de assurance maladie et tout ça, déjà. Ok. Pourquoi il vise à droite? Ah oui. If E différent de nul. Et E différent. De vis.
En vrai, ça va. Il y a des trucs plus chers et d'autres moins chers, donc globalement, pareil en France. Ok. Et vis à droite. Offset. Du coup, il a décidé de tirer dans quel sens? Direction 1. Coucou Asucho, comment vas-tu? Comment s'est passé ton live? Tu faisais quoi de beau? Et merci pour ton raid. J'espère que ça s'est bien passé. Nickel, j'ai commencé un nouveau projet sur du... Ah! T'as fini ton projet en Flux.js? Zéro, un, ok. 0, 1, 2, 3, 4... 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je pensais que c'était dans l'autre sens, tiens. Vérifie ça, rotation. Ouais, clockwise. Il faut que je vérifie, tiens. Rotate from. X égale moins Y. Y égale moins Z. Ah, c'est bien ça, j'avais fait clockwise. Pourquoi c'est 0,1 alors? Comment ça de ton côté? Eh ben, je suis toujours en train de mettre en place la V04 pour pouvoir la tester. Et là, je suis en train de faire en sorte que les ennemis puissent tirer en ligne droite. L'appel du nouveau projet. Ouais, on peut dire ça, j'ai quelque chose qui fonctionne en tri, je me contente de ça, le but c'était juste de voir comment ça marche. Ok. Et du coup, c'est quoi ton nouveau projet en Unity? Je vais partir, bon courage pour la suite, bon week-end. Des bisous Lens Banner, bon week-end à toi et bah du coup bon courage si tu travailles toujours le week-end. Un tactical en hexagone. De I, donc. Rotation.
rotation c'est 1. En fait, je me rends compte que... Ah, bon, faut que je vérifie ça du coup. Clockwise. QRS. Ah, ça me prend la tête. Clockwise, du coup. X, Y, Z. C'est plutôt X, Y et Z. Ça part sur un jeu de course de voiture avec un système de combat. Ah, j'ai pas fait Jack X. Mais d'accord. Jeu de course de voiture avec système de combat. Ok. Tu touchais déjà un petit peu à Unity ou pas du tout? Pourquoi c'est 1? C'est pas censé être 1, c'est censé être moins... Ouais, c'est censé être moins 1. Ou plutôt 5. Si je reviens ici... Un, 0, moins 1. X, Y, Z. Elles sont les rotations. Yes, un peu, j'avais fait un petit jeu de cartes en 2D, mon projet de fin d'études dessus aussi, mais c'était du soft VR, pas du jeu. Ok. Un zéro un plus un moins un. Get neighbors. C'est le bordel dans ma tête et ça me saoule un peu. Ça me saoule un petit peu. Ah, les coordonnées cubiques, ça me fuck tellement le cerveau. Tiens, petite question qui me vient. Quand tu fais un jeu sur Unity pour PlayStation, c'est payant, tu développes gratuitement, mais le
comment dire ça, le module pour compiler pour PlayStation, lui, est payant. Si je dis pas de bêtises. Ok, c'est ce qui me semblait vu que je voyais qu'il y a juste à télécharger pour Unity. Oui, après en général, quand tu veux faire un jeu sur PlayStation, c'est pas, enfin, tu veux pas faire juste un jeu sur PlayStation en général, tu fais un jeu pour PC et si ça marche bien, tu l'envisages de le porter sur console. Ah, j'ai le cerveau tout ramolli là, je. Je comprends pas pourquoi c'est 1. Vas-y, attends. Log I plus manager cube to offset de offset. Il a râlé là le compilo. C'est bien que les erreurs à la con il les crush tout seul. Alors 0. Pourquoi 1 ça remonte? 2 moins 1, 1. Ouais c'est ça, il l'est fait dans l'autre sens. 3 moins 1, 0, 4. Moins 1, moins 1. Et 5, 0, moins 1. Pourquoi c'est dans l'ordre inverse? Avec la dernière match d'Unity, j'ai collab qui me place plein d'erreurs, j'arrive pas à les régler. Ah bon? Bon? Moi il est pas activé collab donc. Je sais plus où est-ce qu'il est. Après je suis pas sur la toute dernière, moi je suis sur la 2021.2.8. Pourquoi ça rotate dans le mauvais sens? J'ai pas activé non plus, mais il m'emmerde. C'est le header strip, je pense que c'est ça sur la fenêtre. Quoi. Ok, ah ouais, là je t'avoue, je peux pas t'aider. Ça ne me dit rien du tout. Mais c'est relou.
Je comprends pas pourquoi il pivote dans le mauvais sens. Je sais autre chose. Cube to offset, green manager. Après ça n'entache pas mon taf, ça me trigger juste de voir une erreur dans la console, j'utilise pas ce truc. Ouais, non mais je comprends. C'est comme les avertissements, faut pas les lire. Zéro, zéro, un. Moins 1, moins 1, moins 1, ah ouais, donc. Lui est dans le bon ordre. Mais pas celui-là. Pas celui-là. Rotate. Rotation. Clockwise. Each coordinate. Moins dire y, moins dire z, moins dire x. Ouais, normalement, c'est bon. Ça serait quoi? Ça serait moins z, moins x, moins y. Test, hein. Est-ce que je l'ai fait dans le mauvais sens? Neuf. Get offset from direction, tiens. Il a pas pivoté lui. Ah, y a un truc bizarre avec cette fonction là. En plus, c'est overkill ce que je fais. C'est ultra overkill ce que je suis en train de faire là. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Ah. Ok. Je sais pas ce que j'avais foutu. Je sais pas ce que j'avais foutu. Move offset n2-n1. Hop.
Donc voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, il faut que je fasse le feedback. Re-Excelis. Arrive bah, sur la fin. Donc voilà. Hop, hop. Pas sur la fin, j'espère. Next attack. Ah, d'attaque preview. Target node, il est là, facing arrow. Pourquoi toujours des nôtres? If current AP is straight line. On va faire mieux que ça. AP.isStraightLine. Hop. Et du coup, là, ça serait getNode at coordinate plus getOffsetFromDirection. Voilà. Ça devrait être pas mal ça. Pour être sûr que ça marche bien dans les deux cas, je vais remettre un ennemi qui est au cac. Il nous avait dit adieu en parlant tout à l'heure. Allô? Ça a planté. Boucle infinie. Une erreur dans un twin. Bah merde alors. Ah parce que attaque attaque preview 299, ok. 299 puis 89. Puis attaque possibility 23. Ouais, il est égal à nul. Fatal Error. Fameuse boucle infinie. Non, c'est pas une boucle infinie. Mais vu que c'était une erreur qui s'est faite durant un twin. Je sais pas pourquoi, il me l'a pas affiché comme les autres. Ok. C'est sur lui-même, donc c'est ça il aime pas. Hop. Voilà. Et du coup.
Pas d'attaque preview. Ouais, il va falloir que je réfléchisse à comment je le rends bien cet effet-là. Bon, en attendant, je pense qu'on va arrêter là. J'ai le cerveau tout rappelapela. J'ai pas beaucoup avancé. Alors j'ai avancé en termes de game design et j'aime bien l'idée sur laquelle on part là avec les cristaux qui attirent et qui repoussent, mais j'aurais bien voulu tester cette semaine. J'étais un petit peu mou, donc j'espère qu'on mettra les bouchées doubles la semaine prochaine et puis voilà. Et puis qu'on pourra tester et peut-être valider un proto. Et là ouais, je suis. J'ai les batteries à plat quoi. J'espère que ce week-end je vais bien me reposer pour être à fond la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous le dis, il est probable, je vous confirme ça très vite, mais que la semaine du 7 mars, ça soit vacances. Donc ce serait bien qu'on ait un proto avant. Que je parte en vacances sereinement, que je me dis, ok, j'ai un proto qui est cool et maintenant il n'y a plus qu'à itérer dessus. Alors, chez qui je vous emmène? C'est les particules, ça abîme la tête. Mais ça, c'est bien que j'ai commencé à faire des particules. Ça faisait un moment que je voulais commencer à en mettre un petit peu. Pourquoi? Parce que un proto, c'est toujours plus sexy avec un petit peu de particules pour rendre ça juicy. Donc voilà. Donc, t'as le droit de partir en vacances. Est-ce que j'ai le droit de partir en vacances? Chez qui on pourrait aller? Il y a des protopotes qui sont en live. Mais je vois que c'est Inforea qu'on a déjà raid cette semaine. J'essaie de vous faire découvrir quelqu'un d'autre. Et quelqu'un qui fait quoi? On assemble un batch de 5 PCBs. Je connais pas du tout. Mais ça a l'air d'être de l'électronique. Mais on pourrait aller voir un copain protopote. Hein. Hop. Sinon, après, il y a du horizon. Et pas mal d'horizons. Hop. Donc, du coup, je vous envoie chez Virtual Labs. Et puis, je crois qu'il me reste plus qu'à vous souhaiter bon week-end. Je suis pas sûr de live surprise ce week-end. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que c'est pas trop chiant la résolution. Allez, cherchez le mot. J'étais là, le résolvage. Non, la résolution de bug. Du coup, des gros bisous à vous et bon week-end. Et détendez-vous bien. Et on se retrouve lundi pour partir en grande pompe sur ce proto. Des bisous, tchou tchou, bye.